Tambour battant, les opposants au mariage homosexuel se font entendre à quelques rues de l'Assemblée nationale où ont lieu les débats. À la tribune, des députés de l'opposition, comme ici Hervé Mariton, venus apporter leur soutien. À quelques jours du vote solennel, les manifestants veulent continuer à faire pression. Il y a une exaspération de mères de famille, de pères de famille, de jeunes. Il y a des milliers de jeunes ce soir. Il faut que les dirigeants, le gouvernement, le président de la République comprennent qu'il y a une bonne partie des Français, et apparemment plus de la moitié, qui sont vraiment opposés à un projet tel que celui-là. Peu avant 22h, l'ordre de dispersion est donné, mais l'ambiance est électrisée par certains manifestants. Les organisateurs font eux-mêmes barrage devant l'Assemblée et tentent de chasser les fauteurs de troubles. Sur la place des Invalides, d'autres tentent un sitting en chantant. Certains finiront par être évacués par les CRS. Au total, entre 70 et 80 personnes ont été interpellées durant la manifestation.